relais de diligence. Qu'est-ce que c'est que ce relais? C'est tous les 40 km, on arrive, on change de chevaux, on prend des chevaux frais et on continue. Mais on passe la nuit dans un caravansérail. Caravansérail, c'est passer la nuit, le relais de diligence, c'est pour changer de chevaux. Alors, le caravansérail de Sidi Makhlouf, c'est un caravansérail qui a été construit en 1853. 1853. Le même, il est sur Baïlbel. Donc, Hada, c'est un relais de diligence. Mais dans le temps, la route pour venir d'Alger, c'est pas comme vous êtes passé par là, vous êtes maintenant. Et puis, donc, il y avait la calèche. Et puis, ils ont choisi Hada le lieu. Soit ici, le caravansérail, ou le même ailleurs, par ici, ou par là, ou par là. Non. Regardez bien les paysages. Regardez ces paysages de vous. Vous avez d'abord des jardins, vous avez des petites palmeraies. Et là-bas, au fond, avec les dunes. Avec le djibel, pour nous, c'est très important. Le hasbaya. Pourquoi hasbaya? C'est parce que nos amis d'Abab Souar ou d'Abbasid Abdelak, qui sont le département d'archéologie, ils viennent pour travailler parce que là-bas, il y a des gravures rupestres. Alors, vous les gravures rupestres, vous ne connaissez pas? Al-Hajariya, Al-Rosom, Al-Sakhriya, donc quand on dit préhistoire, Maqbel Tarikh, c'est 7000 ans, ça veut dire qu'il y a des gravures rupestres. Kachanhar, hein, on ne sait pas, la vie, elle nous réserve des surprises. Donc quand vous passez par là, eh ben, je vous ferai visiter, on ne va pas visiter donc les Rosom Al-Hajariya, les gravures rupestres, Al-Hasbaya, parce que pour les gens qui font ça, qui font la préhistoire, c'est véritablement l'école de Al-Hasbaya. Qui fait l'école. C'est-à-dire que dans ce site, qui est à 13 km d'ici, il y a plusieurs périodes. Parce que la préhistoire, c'est des étages, l'époque vivaline, bovidienne, l'apparition du chameau et l'apparition du cheval. Donc, les gens qui habitaient là-bas, où est-ce qu'ils ont habité? Il a dessiné un éléphant, il a dessiné un lion, il a dessiné un guépard. L'éléphant, il est chez Sahraoula. Non. L'éléphant, il a besoin de chaque jour de 40 kg d'air. Donc, il y a 7000 ans, imaginez la région, c'était la savane comme en Afrique. Et puis après, après 7000 ans, peut-être la désertification. Donc, tout ça pour vous dire, regardez, qu'il y a 7000 ans, jusqu'à maintenant, comment les choses ont changé, comment l'homme a changé, comment le mode d'habitat, il a changé. La seule chose, je voulais vous poser la question. 1853, donc c'est fait par les Français. Alors, les Français, Jaoul Hadal Mantra, en 1852. Un année après, mais dans la boîte, Bnaou Hadal, Djelfa, Wachman Amt Bnet, 1852. Djelfa, Jdida. Par qui elle a été construite, Djelfa? Par le général Youssef. Bon, Youssef, son vrai nom, c'est Giuseppe Signorini. C'est un italien. Bah oui, Giuseppe. Meurt, hein. Mais enfin, avec Giuseppe Signorini, c'est un bonhomme qui a été pris par les corsaires. C'est une histoire du général Youssef. Général à Alger, la rue Ahmed Gharmoul, la rue Youssef. Voilà. Donc, Hanaya, le Djelfa, ça a été construit en 52. Djelfa, en 52, la Rouate, 52, donc là, il descend en 52, les Français sont venus. Alors, une année après, venez le caravansérail. Imaginez une cour avec une architecture un peu avec des chambres, des écuries, etc. Des trucs très basiques. Hein. Alors, Hanaya, regardez. Peut-être que vous l'aurez parcouru. Oui, voilà. Hanaya, regardez le lieu.